Bonjour les amis, comment allez-vous? Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? Je m'appelle Sophie Kilzi, je suis orthophoniste. Je lis une histoire pour les enfants chaque samedi parce que c'est très important pour le développement des mots, du vocabulaire, du langage chez eux. Et aussi, ça les prépare aussi pour eux-mêmes devenir de bons lecteurs plus tard. Ils commencent à repérer les lettres, les mots, à s'intéresser aux livres. Et ça réveille leur curiosité et leur envie d'apprendre. Donc, c'est donc très, très important et j'encourage tous les parents à lire des histoires régulièrement à leurs enfants. On va commencer. Ça y est, voilà notre histoire d'aujourd'hui. J'ai choisi Chouboulout à la mer. C'est l'histoire d'aujourd'hui. Devinez où ils vont? Ils vont à la piscine. Le livre a été écrit à la mer, au bord de la mer, pardon, pas à la piscine. Claudie Augier, c'est elle qui a fait ce livre. Chouboulout à la mer. Ça, c'est Chouboulout. Elle est dans l'eau, là. Elle a plongé, elle a pris un masque et un tuba pour pouvoir voir les poissons sous l'eau. Sinon, elle ne les voit pas très bien avec l'eau salée. C'est le dernier jour d'école. La maîtresse a permis à Fotsi de venir dans la classe. Il montre ses talents d'artiste à Chouboulout. Mais Thiboudoum est très coquin et la taquine avec son pinceau. Il y a l'odeur des vacances dans l'air. Alors, quels sont les personnages de notre histoire? Chouboulout, Fotsi, son chien, et Thiboudoum. Ils sont tous encore à l'école, mais c'est bientôt les vacances. Avec quoi il peint Fotsi? Avec ses pattes. Et de quelle couleur sont ses pattes? Il a pris toutes les couleurs. Il a trempé ses pattes dans toutes les couleurs. Couleur. Hi! Hi, Elsa! Il a trempé ses pattes dans toutes les couleurs. Couleur. Et elles sont de toutes les couleurs. Oui, quelles sont les couleurs qu'on voit ici? Bleu, rouge, vert, Et jaune. jaune. Et Il n'y a jaune. pas de jaune là. Si, ici, sur cette patte, il y a du jaune. Jaune, rouge, bleu, vert. Jaune, rouge, jaune, vert, bleu, vert. Quatre couleurs. Vert. Il demande ici dans le Ah! livre Elsa, qui peint la Vert. maison? Qui est en train de peindre la maison? Fotsi est en train de peindre la maison? Non, Chouboulout, c'est Chouboulout, elle s'appelle Chouboulout. La fille s'appelle Chouboulout, Elsa. Enfin, les vacances! C'est super! Chouboulout et Thiboudoum vont à la plage en vélo. Thiboudoum, fier de lui, lâche le guidon. Ne le regarde pas, dit Chibouloute à Fotsi, qui s'accroche bien fort à sa taille. Il fait le malin. Et Thiboudoum, as-tu pris les serviettes? Ma maman nous attend à la plage avec, répond-il en riant. Les trois amis vont. Où ils vont? À la plage. À la plage. Ils vont à la piscine ou au bord de la mer? La mer. Ils vont au bord de la mer, tous les trois. Comment ils sont en train d'y aller? En voiture? Un vélo. Sur leur vélo, n'est-ce pas? Il y a combien de roues sur un vélo? Ici, c'est Deux. écrit combien y a-t-il de roues sur. Deux, bien sûr. Et à quoi sert le guidon? Un Pour conduire, pour diriger la bicyclette, le vélo. Et où est assis Fotsi? Il est où le tricheur? Derrière. Il est derrière sa maîtresse, il est derrière Chibouloute. Il fait partie de la balade. L'eau est bleue. Et les vagues sont idéales pour faire du bodyboard. Chouboulout et Fotsi sont les rois de la glisse. Thiboudoum les regarde avec admiration. Il crie à Chouboulout, et si on allait plonger? D'accord, lui dit-elle, va chercher les tubas et les masques. Comme le chien là, des gargouilles. Oui, il a des gargousses. Mais il n'a pas de tuba ici.
Sur quoi est allongé Potsie? Il s'est aussi coloré les pattes. Oui, non, elles sont revenues, je crois, à leur couleur naturelle ici. Il a des pattes non, jaunes. C'est pas jaune. C'est à cause de la peinture. Les pattes, c'est pas jaune. Ici, dans ce livre, oui, je sais pas. Sur quoi il est allongé Potsie ici, demande dans le livre Elsa? Sur une planche. Oui, elle est allongée sur une planche pour s'amuser sur les vagues. Et combien tu vois de cocotiers? Combien vois-tu de cocotiers au bord de la mer? Plein. Plein. Tu peux les compter? Oui. J'ai l'impression que c'est un peu impossible. Essaye de les compter. Je ne les vois pas très bien parce qu'ils sont collés là. Oui, il y en a plein. Que porte Foxy sur la tête? Des goggles? Je ne sais pas. Regarde bien. C'est lui, le chien? Oui, je croyais que c'était la fille. En fait, je me suis trompée. Tu as raison, ce sont des goggles. La fille a un ruban dans ses cheveux et lui, il a mis des goggles, des lunettes de natation pour pouvoir, pour quoi faire? Pour nager comme nous, on va. Pour bien voir au fond de la mer, de l'eau. Pour pour que ses yeux ne piquent pas. Maintenant, elle a pris un tuba. Regarde, elle a pris un tuba. Et elle a changé la masque. Et moi, j'ai mis un maillot. Et toi, tu vas nager aujourd'hui, tu as mis ton maillot. Mm. Plus tard, tu vas aller à la piscine. Et toi aussi, tu vas nager. Oui, bien sûr. On va nager, on va s'amuser ensemble. C'est la fin des vacances, par contre. C'est le contraire du livre. Le fond sous-marin est magnifique. Et mais, puisque tu n'aimes pas nager beaucoup, on t'oblige à nager. Le fond sous-marin... Oh, elle est notre page. J'ai perdu la page. Là. Où on en était. Voilà. Le fond sous-marin est magnifique et rempli d'animaux étonnants. La tortue et la langouste rigolent sous leur carapace en voyant la tête de Foxy. Ça les amuse de voir un chien sous l'eau. C'est quelque chose qu'on voit souvent? Non. Non. Est-ce que tous les chiens aiment nager? Parce qu'il y a des races qui aiment, des races non. C'est juste... Comme les chats. Bravo, c'est juste. Les chats, la plupart, ils n'aiment pas, je pense. Non, il y a plein de chats qui aiment et plein de chats qui n'aiment pas. Ah bon? D'accord. Chouboulout et Tiboudoum sont heureux comme des poissons dans l'eau. Ils nagent sous l'eau comme les poissons. Ils font pareil. Que de découvertes. Demain, ils iront pêcher. Est-ce que quand tu es à la surface de l'eau, au bord de la mer ou bien au fond, tu vois la même chose? Non. Qu'est-ce que tu vois de différent? En haut, on voit que de l'eau. Oui. Et en bas, on voit des insectes. Des insectes, des animaux, des choses en dessous de l'eau qu'on ne voit pas à la surface. C'est pour ça qu'il faut mettre un masque avec un tuba si on veut rester longtemps sous l'eau. Où sont les enfants et Foxy, Elsa? Sous l'eau. Bref, bien sûr, montre-moi la langouste. Où est la langouste? C'est ça. C'est ça. Montre-moi avec la souris. Oh, oh, bah, t'attendrais la page. Attends. Attends, je sais. Tu tournes plus la page. Non, non, non. Elsa, s'il te plaît, on va retourner. On a perdu la page. Je sais, je connais une tête. Ok, mais on va reculer. On va reculer pour retourner à notre page qu'on a perdue. C'était quelle page? C'était la page... Ils étaient en classe? Et... Non, c'était quelle page? On était arrivé à quelle page? Oui, mais on n'est pas là encore. On était arrivé à la page où ils sont dans l'eau. Où est la langouste? Elle est là. Est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que c'est ça? Non plus. N'est-ce pas? Ça, c'est une langouste. Ça ressemble un petit peu... à un crabe. Tu en as déjà vu une vraie? Non. Non. Parce que c'est sur des rochers. Bravo, c'est juste. Aujourd'hui, le papa de Tiboudoum emmène les deux enfants en mer. Foxy est de la partie, comme d'habitude, et ramène une pieuvre posée sur sa tête. Chouboulout a attrapé un petit poisson à la ligne. Mais Tiboudoum en a pris un plus gros. À quoi les enfants pêchent-ils? Avec quoi les enfants pêchent-ils, Elsa? Avec des légumes. Avec des
C'est quoi les grands trucs comme ça, allongés, pointus? Ah, ça, Oui, c'est cool ça. manger. Ce sont des... Des cannes à pêche. Bravo, ce sont des cannes à pêche. Et où ils sont assis? Sur un bateau. Oui, sur une barque. Et de quelle couleur est la pieuvre? Bleu. Elle est bleue ou mauve? Non, bleu. Moi, je pense plutôt que c'est mauve, Bleu ça. sur mauve. Bleu sur mauve. Qui va pêcher plus, tu penses? Thiboudou ou son ami Chouboulout? Pas du chien. Tu crois que c'est le chien? C'est Fotsi qui va pêcher le plus? Je crois que c'est elle qui va amener le plus de méduses sur Ah, d'accord. Peut-être qu'elle va trouver des méduses parce qu'elle a déjà trouvé une pieuvre. Aujourd'hui, il fait très chaud. Les enfants ont enterré Fotsi dans le sable pour le rafraîchir et jouent à construire un château. Leur cousine Jessica les a rejoints et rit de la posture de Fotsi. Ce chien n'est vraiment pas ordinaire. Quelle est la couleur de la serviette de Jessica? Où est Jessica? Là est vert. Oui, elle est verte. Et Qu'est-ce que là, tu vois? c'est Que rouge. vois-tu dans la mer? Un Il demande que... bateau, Oui. quelqu'un dans une bouée, quelqu'un qui nage, quelqu'un dans la bouée. Donc, ça fait combien de personnes qui nagent? Trois. Trois. Et qu'est-ce qu'il fait, Thiboudou? Ils sont rafraîchis dans la sable. Non, Thiboudou! Thiboudou, c'est Ah! le garçon! Elsa, tu t'es perdue dans l'histoire! Qu'est-ce qu'il fait, Ils Thiboudou? sont bien. Où tu vas? Où tu vas? Thiboudou est en train de creuser dans le sable. Regardez, il a une pelle et il est en train de creuser pour faire des trous, pour prendre le sable et pour pouvoir construire Un avec le chat. sable. Tu crois que c'est Oreo qui irait plonger dans la mer? Tu crois que Oreo irait plonger dans la mer? Non, c'est À un la chat. recherche des poissons, peut-être, parce que je suis sûre qu'elle aimerait manger du poisson. Qu'est-ce que tu en penses? Il a peur maintenant des petits Oreo poissons. aime l'eau? Elle aime nager? Non. Non, Oreo n'aime pas nager. En tout cas, Oreo, notre chat, n'aime pas nager. Ça ne lui plaît pas. Mais Elsa aime beaucoup nager et plonger. N'est-ce pas? Ding, ding, Gros château. ding! C'est la marchande de glace qui passe. Chouboulout et Thiboudoum vont vite acheter des cinnaboles à la menthe pour se rafraîchir. Prends-en un aussi pour Fotsi. Qu'est-ce que c'est un cinnobole, Elsa? Viens, viens, viens voir. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Ici, ils ont demandé combien de cinnoboles va faire la marchande. Qui est servi le premier et où est l'oiseau? Viens voir toutes ces questions parce qu'il faut répondre. Qu'est-ce que c'est un cinnobole à ton avis? C'est ça. C'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Comment tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux donner comme autre mot? Comment tu peux l'appeler autrement? Incitons-moi. Un cinnobole, mais eux ils te demandent un autre mot. Un gâteau, une crêpe, Une une glace. glace, geste! Et combien de cinnoboles elle va faire la marchande? Trois. Trois. Pourquoi trois? Pour qui? Le chien, elle et elle. Oui, d'abord le chien, oui. C'est qui le plus important, mais qui c'est qui va être servi le premier? Le garçon. Le garçon. Et où est l'oiseau? Sur un marchand de glace. Oui, Ah, au-dessus, oui. on le voit à peine, on voit juste ses pattes au-dessus. Veut dire qu'on a aussi un autre chat. Oui, c'est juste. Il y a un nouvel habitant à la maison chez nous. Qui est beaucoup On est plus. envahi. Oui, mais j'ai eu beaucoup. Ok. Mais maman n'aime pas beaucoup les chats. Si, je les aime bien, ben c'est pour travailler, pour nettoyer après eux. Décidément, avec les vacances, les glaces, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Que de souvenirs pour Chouboulout, Thiboudoum et Foxy. La semaine prochaine, nous irons au marché, dit Au Chibouloute. Chibouloute est en train de marché. dire que dans un autre livre, à elle, elle sera au marché. Et qu'est-ce qu'elle préfère à la plage? En plus de la mer, Elsa, qu'est-ce qu'elle préfère? C'est quoi ce qu'elle préfère quand elle va là-bas? Manger une Les salade? glaces. Manger les glaces! C'est quoi ton parfum préféré?
La fraise, la cerise, la mangue, tous les parfums. Regarde, Fauti, il n'aime pas les glaces, hein? Même si elle est à la menthe. Il en mange quand même une et même il boit. Il boit sa glace qui a dû fondre et elle est devenue comme un jus. Non? On dirait que c'est devenu comme un jus. Qui c'est qui aime boire les glaces quand elles sont fondues? C'est moi, la fraise. C'est toi, c'est juste. Toi, t'aimes bien les glaces quand elles sont fondues. Les enfants, on a fini pour aujourd'hui. Ceux qui ont envie de venir nous rejoindre samedi prochain, chez moi à Antelies, on va faire une histoire live, pas sur l'ordinateur, pas online. Et ce sera en anglais la fois prochaine.